Moi, je suis un homme du bas peuple. Je suis un homme du bas peuple. Le bas peuple. Vous savez le bas peuple? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case, moi, je suis né dans une case. Aller en forêt, demander comment j'ai évolué. Dans une case. Les Nations Unies décident. Quel est le chef de l'État qui peut résister au pouvoir? Dites-le moi. Parce que moi, j'ai fait les relations internationales. Si j'ai un homme aguerri, un homme averti, tu le fais, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Et moi, je ne veux pas l'humiliation. Mon ami ne veut pas l'humiliation. C'est pourquoi tout ce que vous devez faire, c'est de préparer un dossier au sein des organismes internationaux, comme l'affaire ATT. Il a laissé le pouvoir. Il est parti. Il a servi les Nations Unies. Faites-le. C'est le moment. Et allez maintenant dire que nous sommes prêts, quel que soit le temps. Si c'est dans 6 mois que les élections doivent se passer, on est prêt. Le peuple est là. Mais c'est une garantie. Il faut que vous garantissiez cette position. Parce que moi, je ne pourrais plus revenir au sein de l'armée. Capitaine, président, je vais venir. Le colonel est là, le capitaine peut-être dans un peu de temps. Je suis capitaine, je serai encombrant les nouveaux chefs, le nouveau président et son gouvernement, il aura le doute, même au sein de l'armée. Il faut alors quitter l'armée. Si tu as fait ton devoir, tu dis adieu. Cet homme, il va revenir dans l'armée, il sera encombrant. Ça sera le doute. C'est très réfléchi. Si vous pensez simplement à vos problèmes des élections, vous voyez le côté économique. Le côté économique, j'ai parlé de l'exemple de la Côte d'Ivoire. La France a investi en Côte d'Ivoire. C'était belle Ivoire. Et puisque la mentalité n'était pas préparée, la France a tout perdu. La France a tout perdu. Comment la France a tout perdu? Les investissements qui ont été faits. Vous devrez avoir le souci de nous aider, de nous accompagner. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les institutions internationales. Autrement, vous perdez. Si vous continuez à contrer les Africains, parce que aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas la technologie, on est d'accord, mais il y aura des troubles. Et finalement, il y aura l'immigration. Les Africains vont vous emmerder. Le continent africain va vous emmerder. Aux États-Unis, en France, en Europe, vous ne pouvez plus rien. C'est ce qu'il faut éviter. Vous nous bloquez dans nos processus, on est d'accord. Il y a des troupes, il y a la guerre. 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est bon, c'est la recherche. Mais cette recherche, vous n'allez pas manger parce que vous aurez tous les problèmes. Vous ne pouvez plus vous séparer. Le peuple, le continent blanc, peau rouge, peau blanche, vous ne pouvez plus vous soustraire de la peau noire. L'histoire nous condamne tous. L'histoire nous condamne tous. Et dans 10 ans, dans 2 ou 3 siècles, ce sera un brassage culturel. Allez aux États-Unis aujourd'hui. Aux États-Unis, Obama aujourd'hui est président. Essayez de nous accompagner. On ne peut plus tromper le peuple noir. On n'a pas les moyens, on n'a pas la technologie. Vous pouvez, si vous l'acceptez, nous enlever tout de suite au pouvoir. C'est bon. Mais vous n'allez pas enlever, vous n'allez pas continuer avec les futures générations, nos enfants, nos petits-fils. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que la preuve en est,
il y a plein d'Africains qui ont des grands diplômes dans ces pays, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens? Parce que l'arme la plus efficace, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Vous nous avez donné l'instruction de voir clairement, même lorsque vous vous êtes arrêté devant moi, je sais déjà ce que vous voulez. Braquez-le. Lorsque vous êtes arrêté devant moi, je vois peut-être le climat. C'est Dieu qui a fait que vous soyez blanc. Vous n'êtes pas parti au marché pour demander à Dieu que tu sois blanc, que tu aies la peau blanche. Moi, je ne l'ai pas demandé. Dieu nous a créés. On a le même cœur. On a les mêmes veines. Lorsque vous êtes devant moi, vous êtes plus développé que moi. Non, quand je dis de... Non, je parle de la peau. Plus développé, il ne faut pas nier ça. Si vous niez, je vous fais sortir. Parce que la découverte de tous les continents, ça n'a pas été effectué par les Noirs. Christophe Colomb, je te l'apprends. Christophe Colomb, tu as découvert le continent américain. Vous pouvez dire que c'est noir. On vous remercie pour ça, la découverte de tous les continents. La technologie, vous pouvez nier que l'Europe, les États-Unis ne sont pas plus développés. On ne peut même pas fabriquer des aiguilles. On n'est pas mécontent pour ça. Il faut être honnête. Je parle parce qu'on est des êtres humains. Mais quand vous êtes devant moi, je me dis que vous avez la technologie. Vous avez les moyens. Ici, les mains comme ça. Voilà. Vous nous avez donné l'instruction, le savoir, la culture. Vous ne pouvez plus nous tromper sur le plan intellectuel. Venez simplement avec nous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Parce que vous avez la technologie. Vous avez accepté le brassage culturel. Allez aux États-Unis, en France. Et j'apprécie beaucoup. Plein d'Africains qui se sont mariés aux Blancs. Aux Blanches, vice-versa. On n'a pas d'intérêt. C'est la mondialisation. C'est ce que je veux simplement vous dire. Il faut nous comprendre. Nous sommes des révolutionnaires progressistes. Pas des révolutionnaires dictateurs. Si c'est l'argent, on aurait eu déjà l'argent. Des centaines de millions. On aurait accepté les pots de vin afin d'anesthésier la conscience. D'endormir la conscience, de mettre la corde au cou, je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas grandi, je ne suis pas né dans la corruption, je n'ai pas grandi dans la corruption, je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption. El Tigre n'est pas né dans la corruption, il n'a pas grandi dans la corruption. On a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur, on a parlé devant le peuple. C'est pourquoi je l'ai dit. Sous le cas du patrimoine bâti, tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine bâti de l'État, parce qu'ils étaient ministres, parce qu'ils étaient directeurs, nous allons demander au peuple. Nous voulons récupérer tous ces domaines. Quand tu as construit des buildings, ce n'est pas ce qui est important. Tu as construit ces buildings pour que ça revienne à ta famille et nous autres. Vous pensez que nous sommes des hommes maudits? Il y a certains qui ont fait plus de 30 ans dans ces bâtiments administratifs, les cités. Parce que simplement, ils n'ont pas eu la position sociale. Ils n'ont pas été directeurs généraux. Ils n'ont pas été des directeurs généraux. Ils n'ont pas été ministres. Ils ont pris les documents, on les a mis dans le tiroir. Ces pauvres fonctionnaires sont là. Incapable de signer les rachats. On n'est plus dans ça. Ceux qui ont eu des positions sociales, à commencer par eux. Ceux qui n'en ont pas eu, à commencer par moi, parce que je n'en ai pas, à commencer par les membres du gouvernement, nous allons retrocéder à l'État. Allez dire ça à la communauté internationale. Retrocéder à l'État. Et ces éléments, ils vont nous dire. En dépit de quoi ils ont eu ça?
Parce que simplement, ils ont eu le pouvoir, mais ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, c'est un changement. Le pouvoir a un temps. Le pouvoir a un temps. Même nous, nous avons un temps. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'occuper tout le domaine de Kipé, d'occuper une partie de la cité ministérielle, d'occuper par-ci, par-là. Je me fais des étages. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Le ministre de la Défense, il en a la possibilité. Les membres du gouvernement, ces pauvres femmes qui sont là, qui travaillent, vous pensez que ces pauvres femmes-là ne pensent pas à leurs femmes, à leurs enfants? Vous pensez qu'elles sont maudites? Vous pensez que lui, il est maudit? Qui n'a pas d'enfant? Qui ne veut pas le bonheur de son enfant? Alors si le peuple de Guinée ne prend pas la... Aucune nation, aucun gouvernement militaire, quelle que soit la puissance, ne peut se faire une idée de s'éterniser au pouvoir. Il n'en est plus question. Ou si tu le fais, c'est que tu n'es pas réfléchi, tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête sur les épaules. Et je crois que c'est l'objectif principal de ce qui se trame. Les militaires, il y a... Mais vous savez qu'il y a une génération, des générations en génération. Certains se sont... On a vu qu'il y a eu des militaires à un moment donné. Ils se sont déguisés en civils. Et puis, ils se sont présentés pour dire qu'ils sont civils et qu'ils se présentent aux élections présidentielles. Il ne faut pas les en vouloir. Le monde change et le monde a changé. Ma formation morale, intellectuelle, éducationnelle, ma religion et l'engagement que j'ai tenu devant le peuple avec cet homme, un tigre, un homme patriote. Vous pensez que nous allons changer le langage? Vous pensez qu'il est question simplement de faire 50 ans au pouvoir? Et la suite, vous savez c'est quoi? C'est ta progéniture. Je n'ai pas une progéniture entachée de malhonnêteté. J'ai le sang patriote. Notre stratégie, la patience, le courage, la sérénité jusqu'au dernier jour de Dieu. La troupe nous agaçait à tout moment. On avait des emmerdements. Ils venaient nous dire, si vous ne prenez pas le vieux, le déposez au village, nous allons vous égorger. On dit qu'on a compris. On se retrouve. Mais ce n'était pas ça. Quand le soldat parle, l'officier est assermenté. L'analyse. Et c'est ce qui fait qu'on dit, le cours est en major. De quoi s'agit-il? Est-ce que, en prenant le vieux, tranquillement le déposer au village, vivant de son état, est-ce que ce n'est pas une violation de constitution? Est-ce que ce ne serait pas une guerre? Est-ce que c'est honnête? Qu'est-ce que nous allons dire devant la population, la communauté internationale? On n'allait pas être fiers de parler devant vous comme ça, parce qu'on a été fiers, on a été patriotes, on a été honnêtes. Et c'est pour cette raison, le seul pays au monde qui prend un pouvoir, et vous connaissez la mentalité, l'armée guinéenne. Vous pensez aujourd'hui, la calme qui est là, sans effusion de sang, si ça vous paraît comme des rêves, mais vous vous trompez. C'est par rapport à des personnes crédibles, honnêtes, patriotes, qui peuvent se tuer pour cette nation. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. La troupe n'est pas bête. La troupe est l'une et l'entité qui réfléchit plus que les chefs. S'il y a la calme, n'allez pas de gauche à droite. C'est par rapport à des hommes. Des hommes. Des hommes confiance. Des hommes, je le dis bien. Une armée, une nation, c'est une tête. C'est par rapport à mon frère et moi. Et tant d'autres. Sans quoi l'armée n'a plus confiance à aucun officier. Le peuple n'a plus confiance. Comme vos fonctionnaires, la preuve en est que le président de l'Assemblée, son équipe, le gouvernement qui est parti, ils ont tous été corrompus. Dysfonctionnement total. L'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. De plus de 2 ans, on pouvait parler de quoi? Qui allait prendre le pouvoir? Le gouvernement, dans la loi, le texte ne prévoit pas un premier ministre qui peut se saisir du pouvoir en cas d'incapacité d'un chef d'État. Ce serait le premier ministre
qui se serait pointé à la radio, télévision guinéenne pour se proclamer non anticonstitutionnel. Le président de l'Assemblée, avec son équipe, non anticonstitutionnel, expiration de plus de 2 ans. Le pouvoir alors, qui allait saisir le pouvoir, n'a pas pris la tenue pour faire des parades, n'a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale, pour sauver la nation. On a respecté le feu général Lansana Conté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur. Il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison. Je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans tel, prenez-le. C'est la raison d'État. Et c'est pourquoi l'audit, le peuple a besoin de ça, de se soulager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis la prise de pouvoir, avec les grands détournements, les faux engagements, entretien de matériel, ou même au sein de l'armée, on parle de 500 millions. Quel enjeu à entretenir? C'était l'habitude du ministère de la fonction publique et des précédents gouvernements, des faux engagements, des milliards. La communauté internationale donne, fait des dons. Il reste à l'étranger, il vit dans des comptes privés. L'un des meilleurs exemples, l'ex-chef protocole. Il est là aujourd'hui. Il a dit, le fonds cohésien, il a eu un montant. C'est déposé à la banque malienne. Il a dit. Et que le 21 de ce mois, ce fonds devrait être débloqué. Mais pourquoi ce fonds? Parce que le peuple malien a vu ce fonds, ça ne peut pas être un montant d'un particulier. Au lieu d'aller de gauche à droite, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est très clair et net. Nous connaissons les réalités de notre nation. Nous avons vécu, on a marché à pied, de faculté en faculté. Et quand je vois aujourd'hui les gens qui veulent s'atteler au problème ethnique, je puisse dire que le peuple soussou, les riverains, ils sont très ouverts. C'est eux qui nous ont reçus ici, qui ont soutenu le pouvoir, le feu Ahmed Sékou Touré, 26 ans de pouvoir. Et c'est pour cette raison, j'aime bien rappeler que le peuple de Guinée est mûr, l'armée guinéenne est mûre, au moment de l'avènement le 4 avril. C'est les mêmes éléments, les Fankama, les Bakrou, il est là où est Pro. Il est là. C'est lui qui est allé, Malinké, de Farana, de Sékou Touré. Viens là. Parasitus. C'est lui qui est allé dire aux hommes, écoutez, les Malinké ne peuvent plus commander 26 ans. Hey, on va prendre commander le général Lansana Conté. Il est intègre, il est honnête. Ce n'est pas passé comme ça chez d'autres. Voyez son âge. Il ne pouvait plus être avec nous. Tout ça, ce sont des témoignages. C'est pour vous dire que le peuple de Guinée, la population guinéenne, aucune ethnie n'est supérieure. Cet homme a régné 25 ans, mais à un certain moment donné, il y a eu de la mafiosie, il y a eu un lobby, il faut la basse-côte, il faut ça. Des malhonnêtes, mais pas tous les riverains. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Je ne suis pas venu au pouvoir parce que je suis l'homme le plus fort, parce que je suis l'homme le plus intelligent. Il ne serait-ce que ma corpulence. Vous pouvez l'imaginer? C'est l'équité, l'honnêteté, la probité morale. Lui, vous pensez que c'est un fou, c'est un maudit, général de son état, avec toute la formation qu'il a, qu'il accepte avec les autres, le ministre de la Santé, Diaby, un homme populaire, comme Odrago Jean-Baptiste. Burkina Faso. Monsieur le ministre, que nous avons dans l'émission Tremplin, mesdames et messieurs, c'est l'incontournable question. Dites-nous, Dadis
il sera candidat ou pas. Parce qu'en fait, vous l'avez dit, jusqu'à présent, la transition, elle était là comme un fleuve tranquille. Si tout le monde est sorti de ce gong à partir d'un coup de semence, c'est parce que, au travers les discours, peut-être, je dirais même pas des menaces, mais quelquefois les insinuations, on semble prêter, ma foi, peut-être quelques trucs au président de vouloir briguer la magistrature. Est-ce qu'il sera candidat ou il va s'en tenir à ses engagements? D'abord, commençons par les engagements, puisque le débat porte essentiellement sur les engagements personnels que le chef de l'État aurait eu à prendre au début de cette transition, notamment sur la question de sa candidature, ainsi que celle d'ailleurs de tous les membres du gouvernement et du CNDD. Le président de la République l'a dit, c'est un engagement personnel, à la limite qui a une valeur morale, qui ne peut pas avoir une opposition politique ni une valeur juridique. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, qui est un homme qui a un instinct politique très prononcé, a souvent dit qu'on ne peut pas mélanger l'ordre de la morale et l'ordre de la politique, sinon on fait de la mauvaise morale ou la mauvaise politique. Dans le cas de l'engagement personnel du chef d'État, sommes-nous dans l'ordre moral ou dans l'ordre politique? De par ses fonctions actuelles, est-il un homme politique ou un prêtre, ou un religieux, ou un homme tout court, tenu par des engagements d'ordre moral qui auraient tenu vis-à-vis de la société? Je pense qu'à ce niveau, il y a un débat qui doit être ouvert. Deuxième problème, s'agissant de la candidature du président, elle ne peut pas être discutée et débattue en dehors des lois qui nous gouvernent. Et en premier lieu, de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, puisque moi je ne suis pas militaire, que cette loi stipule que les militaires ont les mêmes droits civils que les autres citoyens. Cependant, s'ils ont envie d'exercer les autres droits, ça doit se faire dans le cadre de la loi et des textes. Mais la Constitution est suspendue. Non, j'en viens. Non, la Constitution est suspendue, mais je ne crois pas que la loi portant statut général des militaires de la République de Guinée soit suspendu. Absolument. De toute façon, on n'ira pas aux élections sans qu'il y ait un cadre juridique et légal qui va déterminer justement les conditions et les critères d'éligibilité. Donc, pour rester un peu dans l'esprit de la loi portant statut général des militaires en République de Guinée, il est dit que pour jouir de certains autres droits civiques et politiques notamment, une disponibilité est nécessaire et qu'il ne soit pas préjudiciable au corps militaire. Je pense que aujourd'hui le débat devait porter sur quoi? Là aussi, c'est un point de vue et une conviction personnelle. Sur d'abord, au cas où, c'est une éventualité, une virtualité, au cas où le président voudrait être candidat, à quelles conditions il devrait et pourrait être candidat? Je pense que ce débat me paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus sain que de se poser carrément contre cette éventuelle candidature en lui déniant un droit naturel des citoyens, puisque dans le cadre de la démocratie que nous voulons construire, elle doit se fonder sur l'égalité de chance, de droits et de devoirs entre tous les citoyens. Si j'ai bonne souvenance, pour rafraîchir votre mémoire, la conclusion du comité ad hoc ici, au cours de laquelle Mgr Albert Gomez avait fait le laïs, il avait demandé que pour aucune raison on n'exclut aucun Guinéen par rapport à ces élections. Ah, absolument. Mais justement, parce qu'il y a les critères d'éligibilité qui vont arriver, qui vont toucher peut-être la limite d'âge, les considérations d'ordre juridique ou judiciaire. Alors, si le CNT retravaille dans tout ça, est-ce que ça veut dire pratiquement il y aura une nouvelle donne par rapport aux critères? Je voudrais d'abord dire que l'exclusion et la discrimination sont contraires et incompatibles avec la pratique, la culture et les valeurs démocratiques. Et d'ailleurs, le plus souvent, constituent des sources de frustration, donc de violence et de conflits. Vous savez très bien que le chaos est arrivé en Côte d'Ivoire parce que tout simplement, on a taillé des lois sur mesure pour exclure des candidats de la course à l'élection présidentielle, estimant que pour une raison ou pour une autre, ils devraient être disqualifiés. Moi, je pense qu'aussi bien pour la limitation de l'âge que pour les candidatures, que pour le nombre de mandats, nous devons être ouverts et respecter l'esprit et l'éthique démocratique en ne pratiquant aucune forme de restriction ni de discrimination. Cela va aider le pays à se doter d'institutions fortes et de dirigeants légitimes. Laissez aux Guinéens la latitude de trancher.
Je veux dire d'abord que on ne peut pas, comme je l'ai dit, débattre de cette question en dehors des lois et des textes qui nous gouvernent. C'est extrêmement important. Est-ce que du point de vue légal, est-ce que du point de vue de la citoyenneté, donc du droit du citoyen, le capitaine Dadis peut être candidat? S'il peut l'être, à quelles conditions? Voilà un débat qui me paraît beaucoup plus pertinent que de s'opposer systématiquement et aveuglément à sa candidature. L'autre problème qui est important en Afrique et qui devrait aussi constituer une source de préoccupation dans cette phase de transition et par rapport à la volonté de mettre en place des institutions fortes et des dirigeants légitimes, c'est de mettre en place un système électoral fiable pour que, quelle que soit la qualité, la personnalité, la position du candidat, qu'il n'ait aucune possibilité de peser sur le processus électoral, d'influencer les résultats. Un tel débat me paraît beaucoup plus intéressant que de mettre son veto pour la candidature d'un citoyen. Parce que c'est d'autant plus dangereux dans la phase actuelle que, vous savez, depuis quelque temps, il y a une espèce de suspicion qui existe entre le corps militaire et le corps civil. Une opposition à la candidature de Dadis serait perçue non pas comme une opposition directe et personnelle à la seule personne du président Dadis, mais ça peut être interprété comme un acte de phobie à l'encontre même du corps militaire qui serait un corps entièrement à part, alors que dans le cadre de la construction de cette démocratie, nous avons besoin de tous les fils du pays, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur horizon professionnel, pour que dans le cadre du brassage et de l'intégration de toutes nos forces et de toutes nos intelligences, on puisse aller vers une société plus juste, plus démocratique. Voilà. Rien que ce sujet aurait pu, ma foi, constituer l'ossature de ce débat. Je pense que ce n'est que partie remise. Nous reviendrons de long en large avec d'autres personnes. Mais en tout cas, nous allons dire merci à monsieur le ministre. J'ai vu les grands diplômés là. La langue de Molière, les gens l'ont roulé. Qui a applaudi ici? C'est pas super bobo que tout le monde vienne d'applaudir. Monsieur Pachenko, les autres là, ils ont parlé, tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti, objectivement? Ça se réfère en termes à la Guinée. Je n'entre pas dans la politique. Tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Regardez-moi ça. Des grands mafiosos comme ça. Vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez distordre les relations entre la Russie et la Guinée. Regardez-moi ça. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez marché sous commandement sur la Guinée. Vous êtes embourbé avec l'ancien gouvernement qui a parlé. Est-ce que je t'ai parlé? Je t'ai interrompu? Quand ces gens ont parlé, j'ai parlé. Je prends l'exemple sur Super Bobo. C'est au Guinée d'ailleurs que je parle. Pour dire, vous êtes les plus grands diplômés. Qui a applaudi ici? Super Bobo n'a pas parlé. Tout le monde a applaudi. On vous demande. Dites que vous n'êtes pas dans la politique. Quelle politique? Tu es un voleur alors. Parce que l'usine là, c'est pas toi qui as fait cette usine là. Cette usine là nous appartient. Ça appartient à nos parents. Pardonnez-moi, monsieur le président. C'est la politique. Quand on parle de l'achat, du rachat d'une usine, c'est une politique. C'est la politique. Aujourd'hui, maintenant, on a des gens qui sont sur notre dos. Tu es couché, tu es tranquille. C'est encore plus grave que la politique. C'est le machiavélisme. C'est la politique. C'est la subversion. Est-ce que Super Bobo a parlé de la politique? Il a parlé clairement et nettement. Il n'a même pas pris ton exemple. Il a pris surtout les Guinéens.
excusez-moi, je ne comprends pas tout. Peut-être. J'ai dit ce que Super Bobo a dit. Est-ce que c'est faux ou bien c'est réel? Répondez à la question. C'est réel, monsieur le président. Vous savez, il faut qu'on soit honnête. Il y a un des syndicats qui a parlé. C'est la France qui a colonisé la Guinée. Mais même le français, les Français qui nous ont colonisés, à l'Ugine là-bas, les Français nous ont aidés. À leur temps. Et c'est pour cette raison, je dis, ta situation risque de disloquer les relations à cause de cette usine, à cause de ton attitude. Cependant, le peuple de Guinée reconnaît la Russie de l'Union soviétique. Mais à cause d'un seul individu. Et Super Bobo, il a parlé clairement. Et tu crois que cette usine qu'on est en train de... Il y a plein de trucs. Tu n'as pas vu le directeur général de la CBG qui est venu des États-Unis? Tu as vu tout le respect que je lui ai accordé ici? Si tu n'as pas eu la chance, cherche à voir la bande. Avec tout le respect, tout le comportement. Vous demandez, vous dites que vous pensez que c'est la politique. Monsieur le Président, tu dis que tu n'es pas politique. Est-ce qu'on est en train de parler? Attends, on est en train de parler de partis politiques ici? Non, je vous demande. Est-ce qu'on discute un problème de parti politique? Non, monsieur le Président, non. C'est pas l'usine? C'est pas l'économie? C'est l'économie. N'est-ce pas? Oui. Les Guinéens sont perdants. On a des problèmes. Et comment avez-vous fait ce contrat? Ce contrat fait, aujourd'hui on a des problèmes. L'État n'a rien. Et c'est pas vous qui avez construit cette usine. Est-ce qu'on parle de politique ici? On parle d'économie. Moi, je l'ai dit, hein, je ne suis pas ces gouvernants, ces anciens gouvernants que vous avez vus. Hein, je suis très différent d'eux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que je sois corrompu pour prendre les biens de l'État donnés. Personne qui ne peut pas penser à cette nation. Non, je suis très différent. C'est pourquoi je parle avec fierté. Je n'aurai jamais besoin d'un sou de vous. Même si vous me donnez combien de millions de dollars, je n'en ai pas besoin. Vous l'avez vu, avec la SAC, 22 millions. À un moment donné, j'ai refusé. J'ai aujourd'hui le dossier. Les 22 millions sont déjà au niveau de la Banque centrale. Monsieur le secrétaire général, les 22 millions sont déjà à la Banque centrale, sont domiciliés là-bas. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous pensez que nous sommes en train... Tu es en train de blaguer avec la vie d'une nation. Jamais, monsieur le président. Tu blagues avec la vie d'une nation. Excusez-moi, monsieur le président, est-ce que vous... Ton attitude, ta façon de répondre, tu crois que tu as affaire aux gens que tu as connus? Monsieur le président, excusez-moi. Faites le faveur, excusez-moi. Si j'étais impoli, excusez-moi. Peut-être que je n'ai pas compris tout. Vous pardonnez au moins que je ne suis pas dans la langue Molière. Maintenant, je vous demande... Je vous demande, il y a des risques de fermeture pour l'usine. L'approvisionnement n'est pas à point. Est-ce l'usine, tu dois l'approvisionner ou tu ne vas pas l'approvisionner jusqu'à nouvel ordre? Au cas où tu n'arrives pas à l'approvisionner,
quelles sont les solutions que nous devrons prendre en votre encontre. Répondez à la question. Attendez, nous n'avons pas même examiné la non-possibilité d'approvisionner. L'usine devrait être approvisionnée, elle sera approvisionnée. Tu vas l'approvisionner ou bien tu ne vas pas l'approvisionner? Non, il sera approvisionné. Au cas où l'usine s'arrêtait, il ne devrait pas s'arrêter. Par manque d'approvisionnement. Mais, monsieur le Président, il ne devrait pas s'arrêter. Dans notre programme, ça n'existe pas. Tu prends l'assurance. Je donne les paroles. Merci. Ça, c'était le point le plus important. On a fait beaucoup de choses, mais je ne trouve pas opportun de vous expliquer tout ça ici. Ce qui est important, c'est le résultat. Monsieur le Président de la République, parallèlement à ces travaux, c'est une occasion pour moi, devant le peuple de Guinée et au nom de l'ensemble du personnel de l'administration des douanes, nous vous prions de bien vouloir signer notre statut. C'est le seul corps paramilitaire qui n'a pas de statut. C'est très important. On ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. S'il vous plaît, la douane. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils. Suivez, je suis très sérieux. Venez là, arrêtez-vous là. Vous savez que je suis beaucoup gêné avec les civils. Je suis beaucoup gêné avec les civils. Je suis obligé de me soumettre, je suis obligé de les grelotter. Maintenant, le statut, c'est moi qui l'ai décidé lorsque nous sommes venus à la douane. Je ne signe plus le statut. Militairement, on est militaire. Vous ne faites pas votre travail. Je démets toute la douane. Je prends les jeunes, je les fais recruter. Les jeunes recrues, je les envoie tous à la douane. À partir de l'instant, le statut n'est pas signé. Deuxièmement, tu es suspendu de tes fonctions. Je suis pas un démagogue. Pendant qu'on est en train de prôner, de sensibiliser, Je suis d'accord. Je suis d'accord, asseyez-vous. Suivez, si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je dis qu'il est suspendu de ses fonctions. Et dans les 24 heures qui suivent, c'est moi qui l'ai nommé directeur général des douanes. On n'est pas là pour nous amuser avec vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous sommes là pour vous soulager. S'il est le fond aujourd'hui, lui qui est maintenant là, habillé, il va chercher à défendre l'intérêt uniquement de sa pauvre famille avec son arme. Et vous autres, pendant qu'on est en train de soulager, en faisant preuve, comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Le statut que tu parles, c'est moi? Vous avez posé le problème. Vous n'êtes pas supérieur. La douane n'est pas supérieure aux autres. La douane n'est pas supérieure aussi aux magistrats. Donc par conséquent, tu es suspendu de tes fonctions. Je ne reviens pas là-dessus. Tu es suspendu de tes fonctions et c'est moi qui t'ai nommé à cette fonction. C'est une façon de troubler
ça c'est le système de Machiavel. C'est le système de Machiavel. Tu es du corps paramilitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train, vous pensez, si ce n'est pas le patriotisme, je peux laisser ce que le peuple veut faire, le peuple n'a qu'à faire. Est-ce que c'est un droit? Pendant qu'on est en train de parler, de faire des points de situation, pour faire comprendre à la population comment est-ce que les recettes douanières, les impôts, comment est-ce que l'État parvient à suivre, même au niveau de nos diplomates, avions des problèmes actuellement. Nos diplomates, nos ambassades, les enfants qui sont à l'extérieur avec leurs parents, tout ce que nous recevons des douanes, des impôts, nous sommes obligés de faire cas à l'image de la Guinée. 4 millions de dollars. Où on va avoir tout ça? Nous sommes en train de serrer. Vous pensez que nous sommes là en train de faire le théâtre? Vous pensez que moi je viens ici pour occuper les gens en train de me faire plaire? Tu crois que tu es la seule personne qui a le souci du statut? Pendant que le peuple, les magistrats, le corps médical, la santé, avec tous ces problèmes, on est venu aujourd'hui pour leur dire, au fait, comment on parvient à gagner les recettes pour vos maigres salaires. Vous pensez que le Guinéen, aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen est l'homme le mal payé dans le monde. Aucun revenu, un seul Guinéen ne peut pas faire de l'épargne. Vous pensez que je ne suis pas sensible à ça? Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Si tu es démagogue, je ne suis pas. Je suis très loin d'être un démagogue. Je suis là pour dire la vérité à mon peuple. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie. Et maintenant, j'ai dit que, et d'abord, je te l'apprends, les gens qui sont au niveau du centre, les gens que tu as fait envoyer au centre, tu les ramènes. Si on doit faire un concours, on doit ouvrir le concours à toute la Guinée. Faites-le revenir à partir de l'instant. Faites-le revenir. Hein? Vous savez, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire la démagogie. On a dit que la démagogie est terminée. Le ministre des Finances, il est venu, il a fait son point de situation. Vous pensez qu'au ministère des Finances, et d'abord il est ton chef, d'abord c'est de l'indiscipline. C'est lui qui doit parler du statut. Tu n'es qu'un pauvre directeur. C'est lui qui te commande. Militairement, il est plus militaire que toi. Sur le plan universitaire, après l'université, il est allé en Allemagne. Il a fait l'économie à l'université de Neubiberg. À tout point de vue, tu le dois obéissance et respect. Ce n'est pas un pauvre directeur qui va venir se flanquer ici pour parler des statuts. Statut par rapport à quoi? C'est moi qui ai pris la décision. C'est une façon de faire soulever cette population. C'est une façon, au lieu de les encourager, de rester dans le cadre macroéconomie. Tu viens raconter de la démagogie, le système de Machiavel. Mais vous ne pouvez rien. Si vous voulez brûler ce peuple, si vous voulez brûler le pays, si vous voulez conduire ce peuple à se déchirer, vous serez responsable devant l'histoire. Je m'en irai dans l'honneur. J'en ai terminé. Je ne veux plus. À partir de l'instant, vous prenez la relève de la douane. Suivez, Alpha Yaya, à partir d'aujourd'hui, tu es directeur national de la douane, par décret présidentiel. Directeur national des douanes, on ne peut pas commander un pays. La peur dans le ventre. Nous, les hommes en uniforme, on ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population.
on a le message, le droit de les soulager, de les ramener à la raison. Ce n'est pas les hommes en uniforme. C'est pourquoi je fais obéissance, je me soumets à eux. Vous êtes directeur national, Alpha Yaya Diallo, de la douane à partir de l'instant. C'est moi qui l'ai nommé, c'est moi qui vous ai nommé. Le militaire, l'homme habillé, ne doit pas être à la base pendant qu'une population, aussi un peuple assis aujourd'hui sous le feu, ne doit pas avoir le courage pendant que ces pauvres citoyens qui sont dans la légitimité pour le statut, c'est pas le corps, l'homme habillé qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever un soulèvement. Tu prends la tête du directeur national des douanes à partir de l'instant. Il est mis à la disposition du ministère des Finances pour indiscipline, pour tentation de subversion.